Je sais pas qu'est-ce qu'on va acheter, nous. Ça, hein, sans les couilles. Ah non, c'est une 3.0, ça. Ah, mais c'est chiant de l'acheter. J'aime bien Sidon par ce perso. Ah, et Sidon, c'est le bro. Écoutez, ça, je vais le prendre en photo. Je l'utiliserai jamais. De toute façon, les armes des prodiges, tu peux les refaire auprès des forgerons. C'est pas un problème. Par contre, ça me fait un peu de mal de jeter la lance de gardien 3.0. Je vais peut-être me débarrasser de ça plutôt. Ou de ça, ouais. Adieu. Bon allez, prochaine mission, choper la Master Sword. Faut que j'aille voir... faut que je chope d'autres sanctuaires. Où est-ce qu'il est le Korogu là? Où est-ce qu'il est ce con? Je peux pas m'accroupir? Ah non mais j'ai pas le pouvoir de réveiller encore, merde. Est-ce qu'il est en haut lui? Je suis pas sûr hein. C'est la crise. Ah, c'est dommage. Tiens, il y a un truc là. J'aimerais bien que ce soit les jambières de la tenue Zora. Eh non. Non. C'est bien dommage. Et où, il est où ce con? Il est quand même pas tout en haut. Ils auraient pas osé. Je n'ai plus du tout le souvenir d'où il est. Ils l'ont mis tout en haut, je suis sûr. Ils ont osé. Les modos utilisent le haki de l'aigle pour shoot les Baxitos. C'est joliment dit. Passionnant. C'est à ne rien y comprendre. Allez, c'est bon là, je peux lâcher. Ok. Ah, on l'a perdu. Ah, donc il est en bas. On vient de le perdre. Il était en bas. Et du coup, il y a quoi en haut? Ah, il y a un autre truc en haut. Il y a un autre Korogu. Compliqué, hein. Les rediffs Twitch sont gratuites. Oui. C'est étonnant, hein, mais oui, elles sont gratuites. Non, je... Elles sont gratos. Et puis de toute façon, il y a toutes les rediffs sur la chaîne VOD. Hein. Trop charitable, ça venait. Ouais, incroyable. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Où es-tu, mon bon ami? Oh, attends, what? Il y a un truc, là. Ah, il y a un autre sanctuaire là-bas, mais c'est incroyable. Ah ouais, non, mais il y a 36 000 temples. Bon, je vais retirer celui-là parce que je sais... Pour le coup, je me rappelle pas du tout tout ce qu'il faut faire là-bas. Peut-être plonger d'en haut, je ne sais pas. Allô? Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Ok. Alors, il est où l'autre? Ah bah il est là, parfait. Super. Parfait, parfait. Bon, j'essaierai bien d'avoir un cœur en plus pour aller chercher la Master Sword. Enfin, récupérer la Master Sword, n'est-ce pas? La récupérer, hein. Récupérer. Il y a tellement de choses aussi dans ce jeu. Oui. Je suis bien d'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a moyen un petit peu de... De voir... De plus près le socle là-bas là. Ça m'intrigue.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce qu'il faut sauter d'en haut? As-tu la patience de faire la quête des 900 noix? Non, je ne l'ai pas faite. Moi, dans ma run, j'avais... J'avais, comment dire, j'avais atteint les 300-350 noix. Donc si en soi, on dépasse ce chiffre... ça sera une victoire en soi. Bon alors... je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut plonger comme un con, j'en doute. Tiens, c'est gratos. On va sûrement parler au personnage de toute façon pour avoir un indice, mais je ne m'en souviens plus. Bonjour mon bon ami. Je te protégerai. Bon bah ce n'est pas ça. Salut Costor. On va parler au PNJ à mon avis pour savoir. Il revient mais... il attaque sauté avec la lance. La lance de Mipha. Et comment j'avais su ça alors à l'époque? À mon avis il y a un PNJ qui doit nous le dire. Ils vont quand même pas oser faire une attaque sautée depuis en haut quand même. Si, il faut aller en haut. Nice. Ah non, vous pouvez tout à fait... tenter de deviner ce qu'il faut faire. Ce n'est pas du backseat. C'est le dire qui est du backseat. D'accord, très bien. Il me la faut. Ça, c'est trop bien, ça. Adieu. Et si c'est pas ça, au pire, je revisiterai le village Zora. Je parlerai au personnage. Je me rappelle pas de ça. Comment je l'ai trouvé? C'est pas le game over qui prend Savon, c'est Savon qui prend le game over. Allez! Non, ce n'est pas ça. Bon bah pour le coup je regarderai... je parlerai au PNJ du village Zora. Alors est-ce qu'on peut tenter au moins de faire, comment dire, les autres temples que j'ai marqués? Celui-là je vais pas l'oublier. Hop. Ramasse tes tibias par contre. C'est fait. La fée pour moi. Ne vous inquiétez pas. Dans le cul. Non mais écoutez, on va se faire d'autres temples. Hein. On va se faire d'autres temples. Désolé, il me semblait pourtant... bah faut pas être désolé, hein, c'est pas grave. On va chercher par nous-mêmes. On va parler aux habitants du village Zora la prochaine fois. Là, je veux juste avoir assez de cœur pour tenter de prendre la Master Sword. Enfin, de reprendre la Master Sword, cela va de soi. Et puis, dès que le live sera fini, je me regarderai une vingtaine de fois d'affilée le trailer de Breath of the Wild 2, n'est-ce pas? Ah, c'est Skyward Sword, moi, que j'attendais de ouf. Et j'ai pas été déçu, hein, pour le coup. Parce que même s'il était clairement en dessous des autres, je l'ai bien aimé. Mais je me rappelle, je regardais... mais Breath of the Wild, pareil. Vous voyez Breath of the Wild, quand ils l'ont dévoilé,
Enfin, pas quand ils l'ont dévoilé, mais quand... quand ils l'ont montré à l'E3 2016, il y avait eu un trailer et beaucoup d'heures de gameplay. Et bah moi, je passais des après-midi à regarder les heures de gameplay. Comme un con. Voilà. Quand je me faisais chier, je regardais les heures de gameplay de Zelda Breath of the Wild. Pendant un an. Comme un con. Je crois que c'est le jeu que j'ai le plus attendu dans ma vie avec Super Smash Bros. Brawl. Oh. Putain, qu'est-ce que je l'ai attendu, Breath of the Wild. Enfin, on l'a tous attendu. Ils l'ont annoncé pour 2015, les gars. Après, ça va, maintenant, j'attends plus les jeux... Enfin... Il y a tellement de jeux à faire en fait que... Tu t'ennuies jamais quoi, on va dire. Donc là-bas c'est la tour d'Akala. Il y avait une tour pas loin quand on explorait le mont de la foudre. On avait vu une tour pas loin là. Elle était plus proche dans mes souvenirs. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on va aller à la balise verte. Par contre, on prend pas le chemin le plus opti, là. Ouais, on prend pas le chemin le plus opti. D'accord. Quoique non, Akala, vous savez quoi, je vais me garder Akala, on se fera Akala vendredi, on va faire d'autres temples. Ouais, Akala, je suis chaud de réserver un live à Akala en fait. On va faire autre chose. Pourquoi pas faire celui-là là-bas, ouais. Ouais, Akala, ça sera la suite de l'aventure principale, on devra aller... vers Pharaz, donc ça je le réserve pour un live. Ce serait con de faire ça en fin de live. Pas se récupérer Covid, non. Il faut qu'on récupère Covid, effectivement. Notre petit cheval, notre fidèle destrier. Il y a Petit Tonnerre aussi, et T'es nul. Effectivement. D'ailleurs, c'est complètement con d'arriver ici. Quoique je peux en profiter pour acheter des items. Et aller voir Serrazier. Non, tu n'as pas de flèche. C'est inutile. Tu es nul. Bonsoir Savon, qu'as-tu pensé du Nintendo Direct? C'est l'un des pires Nintendo Direct qu'on a eu. Horrible. J'ai trouvé à chier. Le One More Thing, c'est un jeu que je déteste. Ça a annoncé Pikmin 4 en mode quelqu'un en a quelque chose à foutre. Enfin, vraiment de la merde. Mais bon, j'avais 1000 viewers, donc bon, je me suis forcé à le regarder pour la thune. La coke et les putes. Puis j'ai trouvé horrible. C'était vraiment de la merde. Heureusement qu'il y avait Just Dance. Heureusement qu'il y avait Just Dance, ça a relevé le niveau. Mais sinon, bon. La grosse merde. Non mais évidemment très très cool. Très très cool la date et le nom de Breath of the Wild 2 et Pikmin 4. Très très cool. Évidemment. Vous le saviez, j'attendais. J'attendais énormément. Ce jeu. Au moins le titre. Ils ont mis le trailer de Breath of the Wild 2 à la fin, comme si c'était la chose que tout le monde attendait, ces fils de chien. Oh oui. Ouais. Alors qu'on s'en foutait tous, hein, on est d'accord. Nous, on voulait du Just Dance. Pourquoi je peux pas améliorer mes modules? Faut que j'aille voir Impa avant.
Je me rappelle plus. Ah bah non, voilà. Bah c'est bon. Allez. Let's go. Est-ce qu'on peut améliorer le cinétisme déjà? Je suis pas sûr. Très bien, on peut améliorer le cinétisme, c'est cool. La date de TOTK, ça me fait bizarre. Je m'en méfie, je me souviens bien du report de Breath of the Wild d'un an malgré une date annoncée. Bon, en fait, Breath of the Wild, une fois qu'ils ont annoncé la date précise, donc le 17 mars, je crois que c'est le 17 mars, hein, ou 13 mars, je sais plus. Ils l'ont pas repoussé. Mais généralement, quand ils annoncent une année, ça sent pas bon. Généralement, ils le reportent. Mais là, ils ont annoncé une date précise. Bon, ça peut éventuellement être décalé, c'est sûr, mais... Ils sont un minimum sur deux, là. Et je crois que c'est le 13 mars ou le 17 mars, Breath of the Wild 1, je ne sais plus. Oh, putain. Cliquez sur tous les tracteurs, mais putain, au secours. Aïe, aïe, aïe. Et c'était le 3 mars. C'était le 3 mars 2017. Ah, je peux plus améliorer les bombes. Oh non, à tous les coups j'ai donné des... J'ai donné des ressources et j'en ai plus assez du coup pour... La gougoute. Ah, je viens de vérifier pour le sanctuaire Zora, c'était bien une attaque sautée, mais avec la lance de cérémonie. Ah, bah faudra la craft. Doudoum. J'ai rêvé ou je peux pas utiliser les bombes? Ah bah si, les bombes, je peux, voilà. Parfait. Allez, troisième gougoute. Je vous rappelle qu'on doit toujours trouver deux sanctuaires avant la fin du stream pour améliorer la Master Sword. C'est coton, c'est coton. Ok, ça c'est cool qu'on ait pu améliorer les modules. Surtout en mode expert. Le moindre outil utile pour nous, je prends. Parce qu'on se fait casser la gueule. Ganon peut rentrer chez sa mère. Non mais dis donc, à ton âge. Bon, ça la quête, t'es gentil mon ami, mais le prends pas mal. On fera ça une autre fois, hein. T'es gentil. Oh putain, mais il est super loin le truc. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, c'est parti, hein, on va rush. En 20 minutes, c'est faisable. Sauf si on trouve 33 Korogus sur le chemin. Tu comptes faire les épreuves de l'épée à un moment dans le let's play? Parce qu'en expert, c'est un vrai cauchemar. Bah, je tenterai bien la première au moins. C'est vrai, en mode expert, ça doit être compliqué. On se testera la première épreuve, au pire, c'est pas grave.
Re, je suis de retour avec ma pizza. Est-ce que, au moins, c'est une calzone? Ou une royale? Une reine? Enfin, en vrai, toutes les pizzas sont bonnes, sauf anchois et hawaïenne. J'espère qu'aucun de mes viewers n'aime les hawaïennes. Vous avez du goût, les gars, normalement, vous avez du goût. C'est pas possible que l'un de vous aime les hawaïennes, c'est pas possible. Ce n'est pas tolérable. Et il va pleuvoir, comme par hasard, il va pleuvoir. Et merde. Anchois, trop bon, ouais. Anchois, j'ai du mal, mais j'accepte. Hawaïenne, je n'accepte pas. C'est pas possible. Pas possible, les gars. Ah, chèvre miel, une tuerie. On est d'accord. Même pas les poufs souffles. Ah, c'est autre chose, ça, Shanti. Ouais, enfin calme-toi, recule. Non mais tu t'es gouré, c'est pas ça les temps de l'amour. Tu dois être en plein désespoir pour venir ici par un temps pareil, mais je t'emmerde. Tu connais pas ma vie, tu connais pas mon passé. J'ai pas besoin de venir ici pour me faire des meufs, moi. Moi je m'en fais 10 par jour, hein. Je suis le héros légendaire de Hyrule, mec. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'aller sur Tinder et toutes ces merdes pour trouver des meufs? Il est fou, lui. Ah, c'est bon, il m'a saoulé, il m'a énervé. Oh non, pas Axiul. Ah, on va essayer ce que nous a dit Joueur Ultime. On va essayer la technique de la cinétis sur cette énigme. Regardez ça. Alors il faut cinétis, la seule pomme qu'il faut garder. Alors, c'est ici du coup. On va essayer. Donc, du coup, faut garder celle-ci. Hop. 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 Ça marche, hein. Ça marche. Comme quoi, des centaines d'heures de jeu après, je découvre des trucs. Eh ben dis donc. Ça marchait. Bien joué, bien joué. Bien joué, Serpentard, bien joué, Serpentard. Putain, 268 flèches. Ça va, on est bien. Bon, le temple est encore un peu loin. En plus, sur le chemin, il y a... Juste devant, il y a pas mal de beaux gobelins. Là, en mode expert, ils vont tous être... Up d'un level, ça va être coton. Ouais, j'entends un inox. Regardez, c'est un bouquetin des îles. Enfin, à la montagne. Regardez. C'est comme les gracieux. Une bête comme ça, faut la manger. Ce serait un crime de la laisser partir. Hop. Là, j'ai bouffé ta sœur aussi. Et ton fils. C'est pas très vegan friendly tout ça. Oh putain, il y a un sondage en cours. Oh là là là. Pouah, il y en a... Oh là là, il y en a 9 qui ont mis pizza hawaïenne incroyable. Les gars. Ouh, alors lui, il est pas content, lui. Ah ouais, oh là là, il y a des beaux gobelins silver et tout. Ah ouais, c'est compliqué. Ça va être cette coton. Ça va être coton. Il doit y avoir masque au rogu dans le coin là. Seven qui va blacklister les 14 joueurs qui ont mis incroyable. Non. En fait, j'ai mes modos qu'on leur adresse là. Ils ont leurs adresses, ils arrivent là. En mode FBI open up, ça arrive. Oh non, merde! Cross crossban life. Alors, c'est ici en fait, moi, ce que je redoute.
C'est cet endroit là que je redoute un petit peu. Et je pense que je vais le passer. Parce que là il y a plein de bocaux bien silver à mon avis. Ouais, c'est un peu le souci. Il me faut l'arc sniper. Parfait. Ça dégage. Très utile ce petit arc n'empêche. Hein. Ah ouais non mais vous avez vu tout ce qu'il y a, c'est compliqué hein. Ça va être compliqué. Peut-être tester non? Des bocaux blancs noirs et des bocaux blancs silver quoi. Oh, what? Ouf. Ok, Edin. Les bocaux blancs silver, compliqué quoi. Faudrait que je les sépare tous les deux. Ne me jette pas des cailloux, Jackson! Putain les dégâts. Ça va en vrai, hein, j'ai assez de protection. Tu vois, mon armure elle rajoute 8. Bon après c'est mon masque, hein. Clairement mon masque il a aucune résistance. Putain. Oh là là, le mode expert. Des sacs à PV quoi. Bon normalement si tout va bien, j'ai pas à me régène, je vais trouver un emblème, ça va me régène tout de suite. Ça va me régène tout seul, tout ça pour... Ouais. Bon au moins c'était pour le beau jeu. On a fait le beau jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fait le beau jeu. Le tout à deux cœurs. Le tout à deux cœurs, quel BG. Ouais, mais en vrai, j'avais des faits. J'ai encore des faits, ça m'inquiète pas trop. Putain, il est ultra long le pouvoir de Mifa. C'est quoi son cooldown? Putain, on est à 10 minutes. Je crois que c'est 20 minutes le cooldown du truc. Normalement, je vais pas me régène si tout va bien. C'est 30 minutes. Ah oui. Coucou, t'es incroyable. Merci pour tout ce contenu. Je t'aime. Un peu. Maintenant, nique-toi et bon live. Merci à toi, Nyx. Nique-toi aussi. Muchas gracias pour le compliment. Bon, messieurs. Vous arrêtez, vous me foutez la paix.
Il y a un Korogu. Il doit être en dessous. Niquons-nous entre nous, exactement. C'est joliment dit. Alors, les deux sanctuaires restants. Il m'en manque un ou deux, je ne sais plus. Il m'en manque deux. Ok, on fait celui-là et celui en dessous, et après on va chercher la Master Sword. Ça sera une jolie fin de live, ça. Ça sera très très beau. Épreuve moyenne de force. Bon, ça va. En vrai, on avait réussi... Comment dire, on avait réussi à faire les extrêmes. Ouais, donc non, j'ai pas formé les flèches, non, je les ai juste achetées, moi. Pour le coup. Je pense qu'on est passé dans des endroits où il y avait beaucoup de flèches. Bon, j'ai encore les effets de l'attaque augmentée. Ah oui, gardien 3.0, ok, parfait. Ça va être passionnant. Ça n'a pas marché. Allô ? Ça va chier. Ah. Bah alors. J'aurais peut-être pas dû me soigner en vrai. Yo, c'est Dark Souls le truc. Totalement. Ah, ces mobs là, sac à PV. J'aurais peut-être pas dû me soigner du coup. On aurait dû plus croire en nous. Voilà. Bah, je vais garder le shield. Hein. C'est pas grave. First try no hit, GG, merci. Merci McGriffus. Alors. Très bien, encore une arme. Je prends. Là on a un bon arsenal là. Après je commence à plus trop avoir d'armes qui tapent vraiment fort. Alors le trailer sur Zelda Tears of the Kingdom. Bah bien. Très bien, bien qu'un peu court. Le prochain trailer, à mon avis, ça sera le fameux gros trailer de 2-3 minutes. J'espère. Il y a des trucs intrigants hein, dans ce petit trailer qu'on a eu tout à l'heure, mais je veux toujours. J'attends toujours un très très gros trailer. À l'instar de celui qu'on avait eu, qui était énorme, qu'on avait eu en février 2017. Je crois que quelqu'un disait tout à l'heure la date. Alors, est-ce qu'on a tous les coffres ? C'est bon. Allez, prochain. Il y a un Korogu. Ah bah, il est là. Un gameplay de 90 minutes, ça serait trop bien comme ils avaient fait. Bah 90 minutes, je sais pas, mais j'aimerais bien une phase de gameplay, ouais, 10 minutes. Ce serait cool. Le jeu sort dans 7 mois, donc... ça pourrait être sympathique. Oh, l'île Finalis. Enfin, l'île Finalis, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, on l'a pas, elle est là-bas, je crois. En mode expert, ça va être coton aussi, ça, hein. Il y a un intérêt à récupérer les droits. La fierté. La fierté d'avoir à la fin l'ultime caca Korogu, celui de Noya. Non mais en vrai ça te permet d'augmenter tes slots d'armes. Ah tu vois, je
pourrais en mettre 4 de plus. Si j'arrive du moins à en récupérer plus, donc ça pourrait être sympa. Pareil, là, j'ai rien. Hein. Au niveau des shields, il faut que je rajoute. Hein. Le caca de Noya, un banger. Alors, mon ami, il n'y a pas de feuilles corogules. Hein. Ah, la plage, la mer, tout ce que j'aime, putain. Ma Méditerranée. Bon, écoutez. Ah mais la feuille est à droite, je viens de voir. Bon. C'est bien l'île toute seule, l'île Finalis, non? C'est celle où tu finis à poil. C'est celle où t'es à poil, mais là, l'île toute seule, non. C'est celle où on est. Finalis, elle est là-bas, en fait. C'est celle-là, là-bas, là. On l'a pas encore cartographiée. On l'a pas encore cartographiée. Mais en mode expert, on va en chier. Putain, on a que 48 temples. Sachant que le but de la run, c'est aussi de trouver tous les temples. Les 120. On a le temps. Ah! Une épreuve extrême. Très bien. Je pense qu'on fera d'autres jeux en parallèle, de toute façon, en parallèle de Breath of the Wild. Il y en a un que j'aimerais bien faire. Oh putain de merde. Oh la vache. Oh, il est pas content. C'est un 4.0, il est pas content. Bah ouais hein. Sac à PV le man hein. Sac à PV quand même hein. Ah, peut-être pas le plus opti ça. On est au bout du bout. Hein. Bah dis donc, c'est compliqué, hein. Tu vas où? Attends, mon ami. Je sens qu'elle va bientôt se briser cette arme. Et je l'aime bien. Voilà, le mec pendant le combat il s'en bat les couilles. Il est lent ce lait là. Oui, il va lâcher des bonnes armes, c'est sûr. Tiens, je te prends dans un coin moi. Oh non. Ça marche ça? Merci. C'est un sacré bordel, mais bon. Ma petite encyclopédie, voilà. Il fait chier. Hein.
Parfait. Enfin, on a limite. On a que des armes de gardien là. Ah, on en a beaucoup. On n'a pas que ça. Oui. On peut le dire. Il y a du skill. Il y a du skill sur ce stream. Oh! What? Je ne savais pas du tout qu'on les récupérait ici. Parfait. On pourra aller vite tout en gardant le masque Korogu. Très bien. Je me rappelais pas du tout qu'on l'avait ici, lui. L'emblème du triomphe. Du triomphe. Ok, on en a 4. Alors, je ne sais pas du tout si on a 7 cœurs pour la Master Sword. Ça va être le... Ça va être le suspense. Salut Akira. Ça va être le suspense, mais ce serait beau que le live se termine sur ça. Sur la Master Sword. Est-ce que je peux tenter quand même de... Est-ce qu'on peut tenter? Nice. Ah, j'aurais déjà dû l'avancer en fait. Bon, ok. Je vais attendre qu'il se finisse. Je vais attendre qu'il se finisse. Ou alors je peux le relancer tout de suite. Ok, parfait. Allez, go! Allez! Allez! Tu vas montrer ta tête un jour? Oui, je l'ai déjà montré. Comme je dis toujours, tape The Rock sur Google Images. C'est moi. Bah pourquoi vous dites MDR les gars? Bon. Si ça vous fait rire... On a tous les coffres, là aussi. Allez. C'est le chat qui lève un sourcil. Eh oui, c'est dur à faire, hein. Il m'a fallu de l'entraînement. Ah oui, n'empêche, on commence à avoir pas mal de cœurs et d'endus. Bon, après, ce serait bien qu'on ait deux cercles d'endurance minimum. Moi qui aime explorer. Oh, le framerate. Allez, la Master Sword. Je ne sais même pas... Je sais même plus combien de cœurs il faut. Donc on va voir. Le suspense est à son comble. Sinon, au pire, je vais à limite. Je vais à limite et je demande à la statue démoniaque d'échanger de l'endu contre du cœur. Ah, on n'est pas des petits zizi, allez. On va jouer de manière fair. Oh oui, je pense qu'on a assez, là. Allez. Et avec ce masque-là. Hein. Parce que oui, on avait eu la Master Sword, mais ça a bugué. Ça a bugué, du coup... Ils l'ont remis ici. Est-ce que je peux la prendre? Oh, je peux la prendre en photo. L'épée de légende. Attends, j'ai vu quoi, là? Ah oui, ça fait quand même bizarre des gros glaçons là dans la forêt. Allez! C'est parti. Ouais, je pense que c'est bon là.
La musique. Avec le masque, effectivement, c'est incroyable. Jamais de la vie, je lui retire ce masque. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent ? Prêtresse royale d'Hyrule. Bah une première S, et puis après un BTS. La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. L'arbre mojo, le conseiller d'orientation. Possède une grande force désormais. Vénérable arbre mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Allons, allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas ? Oh, c'est... Oh là là là, hey ! C'est vrai. Hey ! Y a de l'amour là-dessous, là ! Elle va faire un Master Sword. Technique celle-là. Mais j'aime bien, je valide. Ah oui, c'est... image culte. Une des premières images qu'on a vues justement dans le trailer de dingue. Ah cette tête. C'est fou. Quelle est belle cette épée. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. Contrairement à l'esprit qu'il y a dedans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde. L'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Le masque rend tout plus épique, je suis bien d'accord. Attends dans le jour où tu viendras la retrouver. Mais jusqu'à la dernière cinématique, je vais le garder. Quel sourire envoûtant elle avait. Oui, enfin, calme-toi. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. C'est une hyène, tu es un arbre. Calme-toi. Alors pourquoi épée de légende 13 à 30? Est-ce que c'était les dégâts de notre arme précédente? Ou c'est genre les dégâts qu'elle avait quand elle était dans le socle? Non, ce serait complètement con. Mais ce serait marrant. Ça devait être les dégâts de l'arme précédente. Hein. Mais du coup, mon arme précédente, elle est morte? Ou ils m'ont rajouté un petit slot d'armes? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. Oh là 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 là. Ah oui, donc ça m'a rajouté un slot. Hein. On a un slot de plus. Et je me rappelle que je peux faire ça aussi. Ça, c'est pratique pour tomber la pelouse. Ok. Tiens, est-ce que je peux tester sur quelqu'un au hasard? Au hasard, hein. Je teste sur quelqu'un au hasard. Hein, j'ai rien contre lui, mais au hasard. Tiens, est-ce que je peux tester ça aussi, là? Est-ce qu'il y a moyen de tester ça aussi, là, juste vite fait? Ah, peut-être avec le triple flèche, là. Juste pour tester vite fait.
Ok, très bien. Allez. Moi... Ah, ça abîme l'épée de tirer avec. Ah zut. Bon, au moins tester, c'est cool. Bon bah les gars, merci. Utilisez ma prière à tout moment. On va se calmer, on va baisser d'un ton. Moi je vais vous dire à après-demain, c'était cool. Aujourd'hui on était beaucoup pour le Nintendo Direct. C'était cool, on s'est bien ambiancé. Moi je vous dis pas après-demain, pardon, à vendredi. Pour la suite, tout simplement. On ira sûrement à Akala. On verra si on fait une créature divine. Et puis je vous dis, après-demain, bon app'.